Pour télécharger Relux, il faut se rendre dans Relux. Voilà leur site. Il faut aller dans Software et Relux Desktop. Et vous pouvez télécharger ici. Mais avant de faire ça, il faut aller vérifier la configuration de votre ordinateur ici. Il faut savoir que Relux ne marche que sur Windows 10. Elle peut marcher sur Mac et d'autres dérivés de Linux, mais en fait sur des machines virtuelles. Alors là, la carte graphique, il faut 1 giga, ça c'est le minimum. 4 gigas au plus sont recommandés. Pour OpenGL, il faut la version 4,5 au plus. Et pour la RAM, la valeur minimale, c'est en fait, il faut avoir 8 gigas. Et pour que ça marche vraiment bien, il faut avoir 16 au plus. Pour le processeur, il faut un Intel ou un AMD avec 4 cœurs et 2 GHz de fréquence. Le processeur recommandé, c'est un Intel ou AMD avec 8 cœurs. Ici, il donne l'exemple de AMD Ryzen ou Intel Core i7. Si votre ordinateur répond à ces critères, alors on revient en arrière et on télécharge le logiciel. Télécharger gratuitement. Allez dans le dossier du fichier, faire un clic droit et exécuter en tant qu'administrateur. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifs à votre appareil? Oui. Là, il faut accepter les termes de vente et de livraison et des licences. Voilà. Et install. Et ça s'installe. Ok, on va dans notre bureau et là on trouve cette icône Relux. On clique dessus. Et il y a en fait l'application qui s'ouvre. Et là, ça va vous demander de vous identifier. Si vous n'avez pas un compte, vous pouvez le créer, c'est facile. Et là, vous pouvez commencer à travailler sur vos projets, soit intérieur ici, soit extérieur ici, et même tunnel si vous avez la licence pour. C'est tout pour cette vidéo. À la prochaine.